Donc, ah ouais, ah oui, oh, ah ouais. Salut à tous et à toutes, c'est Zilanord et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les mecs, on est de retour sur PUBG Mobile. Alors il y a eu une nouvelle mise à jour sur PUBG Mobile qui est sortie sur Android et sur iOS. Donc la mise à jour 0.4, voilà, qui a été très attendue. Et il y a eu quelques petites nouveautés, voilà, que je vais vous en parler dans la vidéo également aussi. Et dont une nouveauté qui est le mode arcade. Donc le mode arcade qui est quand même assez génial, je peux vous dire. Il y a plusieurs modes de jeu que tu peux avoir dans le mode arcade. Et vraiment c'est super cool. Donc déjà le mode arcade c'est un mode de jeu 28 joueurs. La map la petite, bah en fait la map est petite, voilà, elle a été déjà définie, il y a une petite zone, voilà, que tu peux juste aller là-dedans. Et après la zone, bah, elle va de plus en plus vite, elle va vite. Un peu comme le mode comment il s'appelait, Blitz, voilà, de Fortnite, mais déjà la zone est assez petite. Donc 28 joueurs, une petite zone, ça va vite, 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 ça rétrécit vite. Et c'est quand même assez fun. Voilà, j'ai dit beaucoup assez dans cette vidéo. Mais quand même, je pense que c'est un mode de jeu très fun et que vous devriez l'essayer si vous ne l'avez toujours pas fait. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo et moi je vous laisse avec le gameplay. Bon, on est de retour sur PUBG les mecs. Et on va ouvrir sa porte. On espère avoir du loot. Dans... Oui, ok, c'est un crossbow. Putain, c'est une arbalète, c'est une arbalète. Non, je sais pas. On va la prendre au cas où, quand même. On va prendre ça aussi, on sait jamais. Ok, c'est bon. Donc, ah ouais, ah oui, oh. Ah ouais, non, non, mais... Oh, il y en a du monde, il y en a. Ok, on va prendre ça. Oui, oh, le beau petit shotgun. Ça fait plaisir. Ok, déjà, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Il va nous falloir une arme meilleure que ça parce que... Je suis pas le meilleur avec l'arbalète, mais je suis pas le pire. Même si je suis plus du côté du pire que du meilleur. Bon, au moins on a un shotgun. J'ai cru voir un mec. Je n'ai pas vu de mec finalement. Bon, bah, c'est bon. Allez. Voilà, nouveau mode de jeu. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. En fait. Oh, la grosse arme. Attendez. Jamais essayé cette arme. Jamais essayé. Mais il me semble qu'on peut juste l'avoir dans les ravitaillements. Je pense qu'elle a aussi beaucoup de recul. Et oui, je pense beaucoup, mais voilà, je sais pas. Attendez, la zone de jeu. Ah ouais. Bon, je suis pas du tout là-dedans. On va prendre ça. Ouh, attendez, c'est quoi ça? J'ai une seringue. Je sais pas c'est quoi, mais c'est une seringue. C'est une seringue. Attendez. Alors, bon, déjà, le mode de jeu, il y a 28 personnes seulement. Et là, on est rendu à 27. Bon, quand même, ça prend un peu de temps avant qu'il meure, mais 28 personnes, ce mode de jeu. Ça va aller vite, ça va aller vite. Et ça que j'aime bien avec le mode arcade, c'est que ça va vite. Oh merde. La zone. J'avais oublié la zone. Mais ça va vite là en ce moment. Ça va putain de vite. Ça va vraiment vite les mecs. Et j'aimerais trouver quelqu'un. Alors déjà, la zone va arriver. Je pense que je vais juste foncer. J'aurai le temps, mais je sais pas, peut-être qu'il y a un mec encore derrière moi. Ah parce qu'il y en a plein qui ont drop ici, donc on sait jamais. Ah, il y a un mec là. Oh allez, allez! Tu vas crever, mais oui, il crève! Premier froid, galé, ça fait plaisir. Bon. Ah merde! Il y a un mec qui m'a vu. Je sais pas où est-ce qu'il est. Donc ça, c'est pas plus. Ah, je l'ai vu. J'ai tellement crevé. Pourquoi je tire comme une merde? On va se prendre un bandage. Oh putain. Ah, le mec, il m'a mis mal. Non, parce que là, c'est pas comme dans Fortnite. C'est pas comme dans Fortnite où est-ce que. Ou est-ce que t'as des tu peux build et tout ça, mais là. Là, tu sais pas. Bon, par contre, le mec, il est rentré dans la maison, je pense. Là, j'ai aucune idée où est-ce qu'il est. Sûrement qu'il est allé aussi se bander, je lui ai quand même mis une balle. Donc. Ah oui. Mais c'est intense, c'est vraiment intense comme mode de jeu. L'action est là, l'action est au rendez-vous. Par contre, ça prend un peu de temps pour se bander. Il reste 13 personnes quand même. Et c'est vrai que dans ce mode de jeu, ça se peut aussi que tu fasses aucun frag, que t'en fasses juste un pour gagner en top 1. Mais ça se peut aussi que t'en fasses beaucoup, hein, parce que... Oh, il y en a un là, il y en a un là. Bon, il est peut-être un peu trop loin pour que j'essaie de l'avoir. Je vais mettre un dernier bandage. Mettre... Oh, putain! Oh le con! Oh le con! Oh putain, j'avais pas remarqué la zone. Ah, c'est vrai, là ça va vite. C'est un mode de jeu extrêmement vite. Et c'est pour ça que je vais pas faire une partie, parce que quand même, une partie... Ah, ça va aller vite, sinon. Ça va aller vite. Bon, par contre, j'en ai vu un. Ah merde. Bon, la zone va pas plus vite que moi, je pense, parce que j'ai quand même réussi à... rentrer, mais par contre, je suis très faible en termes de vie. J'ai vu un mec là-bas, à Ouest. Mais je fais quand même attention. Ah, il y en a un là.
Merde! Oh putain! Non! Il y a quand même une excitation dans le mode de jeu, voilà. C'est pas facile, c'est pas facile, je vais pas vous mentir. Voilà, déjà trouver les armes et ensuite tu dois, voilà, tu dois rentrer dans la zone plus vite parce que ça va vite quand même. Et c'est quand même un mode de jeu que j'apprécie, mais je trouve très très rapide. Et voilà, il faut vraiment penser à tout quand tu y joues. Malheureusement, ma caméra s'est coupée maintenant, en vérité, pendant que j'étais en train de faire ma game. Et on était dans le mode sniper seulement, voilà. Et ben, j'ai fait un top 1. Et après, j'ai remarqué que la caméra avait coupé. Donc, je me suis quand même dit, on va vous parler un petit peu. On va vous laisser le gameplay de mon top 1. Mais par contre, vraiment, je peux vous dire, ce mode de jeu, si vous ne l'avez pas testé, il est quand même assez génial. Vraiment, testez-le tout de suite, dès que vous pouvez, voilà. Parce que cette mise à jour 0.4, elle fait quand même assez plaisir. En tout cas, moi, je dirais que le mode arcade, c'est une bonne addition au jeu qu'on a en ce moment. Donc, on a bric-à-brac, on a sniper seulement, mêlée seulement, pistol seulement, shotgun seulement. Et c'est voilà, c'est ça. On a plein de choix. Bric-à-brac, je pense que c'est toutes les armes, si je me trompe pas. Mais vraiment, c'est génial comme mode de jeu. Par contre, ce qui serait bien, c'est que tu puisses choisir. Voilà, comme bric-à-brac, tu pouvais pas choisir si tu voulais aller en bric-à-brac. Tu pouvais pas choisir si tu voulais aller en sniper seulement. Donc, ça serait bien que tu puisses choisir quel mode de jeu tu veux jouer en fait. Après, c'est juste ça. Après, tu peux choisir si tu veux être tout seul, si tu veux être en duo, si tu veux être en squad comme d'habitude. Donc, après ça, c'est vraiment génial. Également, il y a aussi maintenant un terrain d'entraînement. Donc, voilà, un terrain d'entraînement où est-ce que tu vas pouvoir tester toutes les armes du jeu. Voilà, te familiariser un peu avec tout ce qu'il y a dans le jeu. Et ça, c'est quand même assez utile, je vous dirais. C'est quand même assez utile. Je pense pas qu'il l'a sur la version PC. Il faudrait que je m'informe. Vous me direz dans le commentaire s'il l'a sur la version PC, le terrain d'entraînement, parce que j'ai aucune idée s'il l'a. Je suis pas trop l'actualité BBG. Non plus vraiment son mobile, mais voilà, c'est ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait plaisir qu'il y a un terrain d'entraînement maintenant. Il y a aussi du 3D Touch, sur iOS, voilà, parce qu'il l'a pas sur Android. Mais ça, voilà, j'en ai pas besoin parce que de toute façon, je peux pas l'avoir puisque je suis sur iPad Air 2 et qu'il n'y a pas de 3D Touch sur iPad Air 2. Et après, il y a des corrections de bugs, voilà, et plein d'affaires. Donc en tout cas, voilà, j'espère que vous avez quand même aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo si vous l'avez aimé, ou si vous abonnez à ma chaîne pour avoir plus de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.